Bonjour tout le monde, bienvenue, bienvenue pour un nouveau stream. Installez-vous bien, musique maestro évidemment. On va baisser un peu parce que c'est un peu fort. Voilà, là c'est parfait, super, super. Bon, bah j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne soirée, une bonne matinée, que le match hier soir ne fut pas trop une punition pour vous. Ah, quel enfer. Non, mais bon, si on devait résumer le match, on a été mis dedans. Enfin. Si on met de côté tout le reste, on a été mis dedans par deux joueurs. Déjà la passe de Lemar en retrait, merci. Et enfin, sa glissade, son truc bizarre. Et monsieur qui pulvérise les chevilles. Enfin, bon, il l'a pas fait exprès, mais c'était pas utile. C'était pas utile. Voilà. Et on a galéré pour mettre un vieux but grâce à la VAR. Voilà. Donc bon. Super soirée. Bon, enfin, généralement les matchs contre la Bosnie, c'est toujours la même rengaine. Hein, c'est toujours la même soupe. Hein, c'est toujours la galère. Donc bon. Mais bon. Ça va. Heureusement que l'Ukraine a fait match nul. Comment dire? On se cajole comme on peut. Voilà. On se rassure comme on peut. Toujours 4 points d'avance. Ça va. Prochain match samedi. Là-bas en Ukraine. On verra bien. Enfin. Déjà. Il y a Mukele qui arrive. On a peut-être pas Mbappé. Ça va être bizarre. Ça va être bizarre, mais bon. Il y a un problème de fond, c'est pas une histoire de il donne pas les bonnes consignes ou la bonne tactique ou autre, c'est il y a un problème de fond, il n'y a plus cette espèce de d'esprit guerrier qui nous a fait gagner la Coupe du Monde. C'est un truc que j'ai remarqué aussi. Et puis bon, moi je mettrais la petite pièce aussi sur Griezmann qui continue un peu de traîner sur un terrain comme une âme en peine. Bon, ok, il marque le but, on va dire, avec beaucoup de chance. Mais sinon, bah, il s'est traîné toute sa partie. C'est un peu étrange. Enfin, bon, bref. Passons à autre chose. Aujourd'hui, on est là pour la suite de nos aventures. Ouais. Du let's play de Forza Motorsport 2, toujours sur la même console, évidemment. On va lancer le jeu en attendant. On a beaucoup de travail aujourd'hui, plus que d'habitude, parce qu'aujourd'hui, on va commencer les fameuses courses d'endurance. Ces fameuses courses, on va dire à la sauce Forza. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas cette espèce de bug façon diapo chez mamie quand les voitures adverses vont au stand qu'il y avait dans le premier, qui était vraiment vraiment buggé là-dessus. Alors attention, comme d'habitude, voilà. Et donc oui. Voilà, hein, donc les fameuses courses machin chouette. Ah, alors, par contre, tiens, un truc fait rigolo. Voilà, j'allais dire, d'accord, ma voiture elle est pas la bonne couleur, c'est pas grave. Donc, ouais, aujourd'hui on va commencer par la classe D. On a une course d'endurance de 45 tours sur Tsukuba. Donc, bon, si on se loupe pas, si on fait pas trop les cons, normalement ça devrait bien se passer. Je dis bien normalement. Alors par contre, je vais quand même refaire le truc pour la caméra, n'ayez pas peur, c'est normal, voilà, on sait jamais. Ouais, donc voilà, on verra. 45 tours, si on fait pas les cons du premier coup, on peut peut-être en faire deux. Mais bon, voilà, hein, quand même 45 tours, même si c'est Tsukuba. Voilà, ça va faire une sacrée trotte, hein, on va avoir pas mal de choses à faire. Voilà. Bon, bah, on va du coup aller sur le jeu. Voilà, tout fonctionne, ouais, parfait. Hop. Le carburant pour le joueur. Hop, on se place. Et puis on va commencer évidemment. Hein. On avait fait ça à l'arrache hier. Ah d'accord, c'est normal. D'accord, ok. Avec donc, fait rigolo, si vous vous rappelez du premier let's play de Forza, on avait utilisé aussi une Mitsubishi FTO. Et bien pareil, là aussi. Quid, quid du truc? Même épreuve similaire avec voiture similaire. Par contre, fait différent, c'est qu'on n'a pas pu mettre de pneus spéciaux parce que bah, ça donnait trop d'avantages à la voiture. Alors bon, c'est un peu con, mais bon, tant pis. Donc voilà, voici la première compétition, écrite tout en japonais quasiment. Donc classe D. Voilà, hein, donc on aura de la Vauxhall Astra, de la Celica, Civic, la Saturn. Ion, Integra et la Silvia. Voilà, hein, c'est à peu près tout. Et en restriction, classe D évidemment. Donc les 45 tours.
Je crois que c'est ça, hein. C'est 45 tours, je crois. Hein. Je sais plus où j'avais vu ça. Normalement, c'est 45 tours, non? C'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. 45 tours, le prix 100 000 crédits. Voilà. Donc, 45 fois 2,08 km. Eh bien, c'est parti! En avant pour la première endurance. Oui, chers amis. Courage, que la force soit avec moi. Je vais avoir besoin de votre soutien. Parce que ça va être assez long. Il y a du travail, hein. Va falloir être concentré, hein, comme le lait. Mais vraiment, hein, pas genre au bout de 7 tours sortir lamentablement de la piste. Non, non, non. Il va falloir y rester le long des 45 tours. Hein. Bon, eh bien, c'est parti, hein. Allez. Notre principal adversaire sera la Vauxhall, hein, on dirait. Ah, il y en a une autre. Alors, c'est étrange, j'ai pas le HUD comme dans le premier. Oula, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je me fais harceler par une consoeur. Qu'est-ce que... Ouais, même voiture. Étrange. D'accord. Alors là, c'est bizarre, on n'a pas... Ils auraient quoi? Ils auraient enlevé le... Je découvre, hein, je me suis pas renseigné. Ils auraient enlevé l'usure des pneus. Et l'essence. On va devoir se coltiner comme ça les 45 tours? D'accord. Ou alors, est-ce qu'ils considèrent qu'on est censé utiliser le HUD? Je sais pas compris là. Bon, on le saura, hein, de toute manière. Ça va, on s'éloigne un petit peu. En 2020, on a fait 3 tours. Enfin, on est en train de faire le troisième tour. Plutôt. 1 minute 5 le tour. En moyenne. Ouais, il y en a pour 45 minutes à peu près. Je dirais, allez, 40... Presque 50 minutes. Ben, je pense. Bah ouais, non, mais y a pas de HUD d'usure de pneus. Ni de... Ah si, l'essence, c'est en bas, je crois. Ah, l'essence y est par contre, je crois. Hein. Mais. La. Comment dire? La jauge n'a pas l'air de descendre. Ou alors, est-ce que c'est une jauge d'essence? Entre... Alors, je parle de ça entre la vitesse en bas à droite. Et le compteur minute.
enfin le tour minute. Étrange. Ah, peut-être que pour régler le problème de lag, ils ont enlevé l'arrêt au stand, hein, peut-être. Je le dis, hein, je me suis pas renseigné. Je me suis dit, allez, on va découvrir ça comme dans le premier. Et on verra bien. Alors si c'est ça, bon, je vous avoue que quelque part je suis content parce que c'était un petit peu casse-pied de devoir faire une stratégie et tralala, mais quelque part ça enlève un petit peu de... Ça enlève un petit peu genre, je sais pas moi, d'immersion dans une course d'endurance. C'est dommage. J'aurais bien aimé pouvoir faire... bon alors je dois faire tant de tours, les pneus, tout ça... bon, tant pis hein. Mais je vous cache pas qu'à la fois je suis un petit peu rassuré parce qu'au moins je suis un petit peu tranquille. Mais ça me faisait une petite pause dans la course, Lario Sand. Bon, on a un peu lâché tout le monde sauf une voiture. Je crois que c'est la même que la nôtre. Thank you.
Allez, 10 tours, 10e tour. Vous pouvez poser des questions, tout ça, n'hésitez pas, hein, c'est une endurance. Il y en a pour un moment. Hein. Thank you.
Ouh là là. Ah si, il y a une jauge d'essence. Ça y est, je l'ai remarqué. En 7, enfin en 15 tours complets, on a pris quoi que un tiers du réservoir. D'accord. Donc il n'y a que l'essence de pris en compte. D'accord. On va doubler le premier, enfin le dernier. Notre premier retardataire. Ça s'écarte. Je pense qu'avec le ce qui nous reste d'essence, on peut aller au moins jusqu'au 30e tour, je pense. Simple supposition. Hein.
Ouais, on a mis un tour au 7ème. La mi-course donc 22 et demi font 45 hein. Quelqu'un qui est en constante, ça y est, je crois. Ouais. Ok. Deux même. Ils ont consommé plus d'essence que moi, ou alors l'IA est pas programmée pour prendre le risque de rouler avec un réservoir presque vide. Deux secondes.
petite pause, voilà. Ah, ça fait du bien. Allez. Et bon, quand les voitures rentrent au stand, ça ne bug plus dans ce Forza 2. Ah, merci. Ça, c'est un bon point. Un peu gêné par l'Integra, limite on pourrait même faire quelques tours supplémentaires. Merci à Sylvia qui m'a aidé.
Bon, allez, on va se montrer raisonnable. Ouais, génial. Allez, c'est pas grave. On a fait ce qu'on appelle une coultarde. Normalement, il répare tout, normalement, non? Non? Il répare pas les dégâts. Bon, l'animation est rapide. On reste sur la caméra du jeu, avec marqué stand. Un peu à la Gran Turismo 1 ou 2. Bon. Alors, j'ai pas tout compris. Il y a eu des réparations ou... Bon, au moins on a de l'air dans la voiture. C'est déjà pas mal. D'accord. Bon. On avait 52 secondes. Bon, avec ce qui s'est passé, j'ai dû perdre un peu de temps. Ah oui, quand même. Quand même. Plus de 20 secondes. J'ai comme l'impression que c'était pas par là qu'il fallait rentrer dans les stands, il y avait un petit dégagement un peu plus loin pour rentrer. Bon, je vais vous l'assurer, je sais pas. J'y arrivais un peu vite. J'avoue ma faute. Ah bah ça sera beaucoup moins que... Putain, finalement. Je croyais à 50 minutes de course, mais pas du tout. On est au quoi? On aura fait 34 tours en 37 minutes. Il reste 11 tours à faire, hein. Il faut toujours compter que là on commence à peine le 35e, donc on a encore 11 fois. 11 minutes. Ah, si, presque, hein, finalement. Peut-être que je me suis pas trompé. Hein.
pas facile de se gratter la jambe avec l'autre pied pendant que vous essayez de conduire. Ne faites pas ça chez vous. Évidemment. Je vérifie quand même que tout fonctionne. Oui, ça va, les doigts dans le nez. Tranquille, allez. Allez, 6 passages encore. La même voiture que moi a pas fait une bonne course. Hein.
Eh ben. Désolé. Voilà. Finalement, elles sont de petit style, hein, sans l'aileron arrière. Hein. Bon, après, je préfère avec, hein, évidemment. Mais c'est marrant. Dernier tour. Ben, on aura fait quasiment presque 50 minutes de course. Donc, bon, on va faire une petite pause après, hein, parce que quoi souffler un peu de une minute ou deux, et après, ben, on fera la suivante, hein, avec les classes C, hein, cette fois. Et voilà, victoire, victoire sur les 45 tours de Tsukuba. Bon, là, la même voiture que nous va finir 6e, hein. c'est pas une grande réussite. Hein. J'attends au moins un peu, je sais pas, la deuxième et troisième voiture. Vont-ils arriver? On aura fait ça. Ah, ça y est. 20 secondes 8. Ah non, 50 minutes et 20 secondes, ouais, voilà. Et ouais, c'est là Saturn qui finit 2e. Et là, Sylvia qui va finir 3e. Et la voiture favorite, la deuxième, la Vauxhall, seulement 4e. Bah dis donc, c'est pour bien. Voilà. En 49 minutes et 49 secondes. Les sous par ici. Bon, a-t-on encore besoin de cet argent? Franchement, hein, on est d'accord. Il n'est plus vraiment d'une grande utilité, mais bon.
Voilà. Bon alors, on a le droit à la Toyota numéro 35 du Yellow Hat Supra 2004. Ouais, de l'argent. Ah oui, la fameuse Yellow Hat. Sympa. J'aime bien le skin. Ouais, cool. Bon bah c'est sympa. Joli cadeau. Allez, la suivante donc, classe C. Oh là là, la Gouda CK. Ah les salauds. Ah oh, c'est dégueu, vous êtes pas sympa. Hein. Donc le prix c'est une Acura NSX numéro 42. Donc voilà, on va faire une épreuve d'endurance là-dessus, classée évidemment. Les adversaires donc, ça donne quoi? Une Cadillac CTSV en meilleure voiture, 549 points. On a une Elise 111S, l'Evo 8, la WRX STI, bien sûr la Mercedes, la RX 7 Gen 3, la Camaro en moins bonne. Ok. Nous, on a une 541. C'est une Eclipse. La Toyota APR Performance Elica. Attends, tu me redis quoi les adversaires là? C'est combien les points? 549. Putain, j'ai qu'une 541. Avec la Mercedes. Ouais. Bon. Alors qu'est-ce qu'on fait? On s'achète la Elise 111 ou la Cadillac? Bon, on va aller prendre la Cadillac, hein, on va pas s'emmerder. Hein. Allons s'acheter de la Cadillac. Comme ça, au moins, ça nous fait une petite pause. On reprend un peu nos esprits tranquilles. On souffle un peu. Alors, États-Unis. Cadillac. Alors, la Cadillac CTSV de 2004, bah voilà, hein, de toute façon, il n'y en a pas 36. Ah ouais, le fameux bateau. Sympa. Ouais, cette couleur-là, ça va vraiment bien, Cadillac, t'sais, ça. Là, ça fait vraiment Cadillac. Ah ouais, pur jus. Donc 6, 4 en vitesse, 4, 5, 3, 6, 3, 8. Et... Bon, à skip c'est la meilleure. Pour 20 000 crédits. Allez, on va aller la modifier un peu. On va pas mettre de trucs de puissance et machin, on va juste mettre les trucs comme j'ai fait pour la Mitsubishi en fait. Ça a largement suffi en fait, c'est tout con. Alors, si on met les pneus, ça nous donne trop de performance, hein, évidemment. Voilà, tu m'étonnes. Je pense qu'ils avaient prévu le coup. Non, qu'est-ce qu'il propose? Ah ouais, d'accord, les trucs Forza qui sont un peu dégueulasses. Ouais, ça fait touring car, ça. Ça fait touring car. Mais bon, ça enlève des points, c'est débile d'ailleurs. Je sais pas pourquoi ça enlèverait des points, sachant que, bon... Enfin, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, alors, les freins. Freins course, évidemment. Ah, ça donne trop de performance. Ça, c'est bon, on peut le mettre. Ah non, ça, voilà, d'accord, ok. Boîte de vitesse d'origine. Ah, ça, on peut. L'embrayage de course. Non, ça, on peut pas. Ça, on peut pas. Ça, on peut. Attends, ça fait quoi là? Origine 3-8, 3-4-0, 4-5. Non, ça change rien en fait, c'est faux. Ça change absolument rien. Différentiel de course. Évidemment, ça on peut pas parce que c'est. Voilà. Ok, très bien. Rien en performance, on peut rien. Voilà, d'accord, non, parce que voilà. Pareil, ok, très bien. Ok, bon, allez. Bon, je pense qu'on pourra ne mettre qu'à chaque fois que ça comme amélioration, hein.
l'embrayage, les freins, les barres anti-roulis, 2-3 bricoles et hop. Un suppôt et au lit. Allez, on va juste lancer la course et après je vais faire une petite pause quand même, pause pipi. Et puis après, bon, on va se lancer cette course. Alors combien de tours? 30 tours de Laguna Seca. 30 tours en une moyenne de quoi? Généralement en classe C. Tu fais ça quoi en 1 minute 20? Ouais, à peu près une 20, 25. 20. Ouais, entre 30 et 35 minutes à peu près. Je pense. Allez, on la lance et puis bah on va tranquillement faire la pause. Ouais. Bon, bah on va voir. Hein. On verra bien. Oh là là là. Bon, ça va. La première n'était pas trop dure. Maintenant, on va voir ce que donne la deuxième course d'endurance. Donc, évidemment, voilà, on aura la deuxième Cadillac. Ouais, bon, les voitures prévues, hein, basiquement. Ok. Allez, on pose ça là. On pousse ça. Allez, petite pause, ne bougez pas. Je reviens à tout de suite. Bien, et nous revoilà, coucou, pour la deuxième endurance, Laguna Seca, 30 tours en classe C, c'est parti. Ok, très bien, va falloir se méfier. Une accélération un petit peu dérangeante. Ah oui, non mais ça va pas le faire cette histoire. Elle a l'accélération délicat. Je pense que stratégiquement parlant, si j'arrive pas à faire un écart comme la première course, j'irai au stand un tour après la voiture derrière moi. Comme ça j'assure le truc.
Ah, ça se gêne un peu derrière. Ah, 1 minute 40 le tour. Ah! Alors on tablerait plus sur le 40 minutes de course. Allez, 3 tours sans se planter déjà, c'est bien. Et voilà. Oh, tout juste. Tout juste.
seulement 7 tours. Au secours. Allez, un tiers de la course.
Allez, courage. Hein. Elle est sympa et tout, mais elle est vraiment pas facile à conduire cette pièce.
faudra quand même que j'arrive à maintenir cette seconde d'écart. Quand la voiture derrière moi sera allée au stand et que je me loupe pas, mais vraiment pas. Ce tour-ci. Toujours pas.
ne pas faire, je la fais. Oh, c'est pas grave. Ça va aller. Gamin, ça va se jouer à pas grand chose, je le sens. On va faire un tour supplémentaire, ça va le faire. Voilà, entre stand. Ok. Allez, ce tour on fait pas le con. Hein. Je me doute que je devais sortir machin, mais moi je fais ça RP. On sort ici. Non mais. Voilà. Bravo. Bravo, bravo. On a fait le plus dur. Maintenant, ben, le reste c'est de juste ne pas faire l'idiot. Et de ramener la voiture à la maison. On a même gagné du temps.
Allez, encore un peu de courage et on a réussi. Que je gagne quand même pas mal de secondes sur l'IA, au moins une seconde par tour presque. Bizarre.
Ouais. Pourquoi tout? Allez, dernier tour. Et ben voilà, hein.
on aura réussi du premier coup de la deuxième course. D'endurance. Voilà. J'essaie de regarder là. Ah, en plus, c'est tout pile dans les temps pour la pause VOD. Incroyable ça. Eh ben dis donc. Bon, ça va. On va dire que la première partie de course où on était un peu harcelé par Davis, c'était difficile. Mais après, ensuite, bah, on a été tranquille. Et du coup, c'est la RX-7 qui finit 3ème. Tiens, c'est marrant. Hein. C'est pas à chaque fois les meilleures voitures. Hein. Enfin bon, la hélice qui finit dernier. Dernière. Enfin! Allez, ça fait des sous de gagner tout ça. Tu m'étonnes, 4 niveaux d'un coup, 5 niveaux d'un coup. Les 5 niveaux d'un coup, tu m'étonnes. Incroyable. Bon. Bah c'est super, on pourra faire la pause VOD et tout. C'est cool. Alors, vous avez fini premier, merci. Bon, la Cura comme prévu. Du real time. De l'argent. Voilà. 2002. Ok, voilà, bon, on va faire la pause VOD avec la première VOD tranquille. Puis on va se retrouver juste après pour la suite, hein, parce que c'est pas fini les enfants. Et oui, après, maintenant, il y a les classes B à Maple Valley. Ça, ça va être rigolo, ça. Bon, allez, je vous dis à tout de suite. Bon, pour la VOD, à la prochaine. Merci d'avoir regardé. Allez, à la prochaine YouTube.